quatre descendances autochtones. Sur le côté de ma mère, j'ai deux descendances Abénaki. Puis sur le côté de mon père, j'ai deux descendances, une Algonquine de l'Outaouais et une Mi'kmaq de l'Acadie. C'est peut-être pour ça que depuis ma jeunesse, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours aimé les Autochtones. Puis adolescent, je rêvais que j'étais Autochtone puis je vivais dans le bois avec eux autres. On trappe les animaux sauvages, en fin de compte, c'est pour aller chercher un équilibre dans la nature. Parce que si le taux de prédateurs augmente, les animaux qui sont les victimes de la prédation, à un moment donné, ils vont quasiment jusqu'à s'éteindre. Souvent, je vais aller dans le bois méditer, puis je mène pas d'arme. Je vais là pour l'observation, puis j'ai découvert des choses extraordinaires et entendu des choses extraordinaires. J'ai toujours eu l'envie d'être dans le bois, de me retrouver. Quand je voyais un Amérindien sur le bord du chemin, je l'embarquais avec moi et j'allais le mener à son camp, parce que j'avais un amour particulier pour ces gens-là.